Hey, coucou les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur MSP. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. En plus, je crois qu'en ce moment, il y a des rares, donc c'est l'occasion d'y aller ensemble. Donc on se retrouve ici pour une nouvelle journée. Mon pseudo, c'est Devoria, pour ceux qui ne le savent pas, puisque Devovo était déjà pris. Donc D-E-V-O-R-Y-A, c'est écrit juste en dessous de mon personnage. Et puis là, je suis normalement VIP pour une semaine. Donc on a les deux roues, on va en profiter un petit peu, on va voir combien on va gagner de sous. Et je fais aussi la deuxième roue en même temps, donc ça mène un petit peu plus d'argent. Allez, 50, c'est parti, voilà, un petit peu de sous, je vais cliquer sur la planète. Et on va aller voir un petit peu les activités. Alors, je suis niveau 29, je vais réclamer mes petites étoiles pour XP. Je vais vous montrer les looks que j'ai fait hier et surtout les petites nouveautés. Puisqu'en ce moment, il y a des choses super intéressantes, c'est la période des rares. Donc quand je vais dans shopping, je vais pour m'acheter des nouveaux vêtements. Et là, j'ai un tas de rares, voilà. Et celui que je trouve vraiment magnifique et avec lequel j'ai fait une tenue, c'est cette robe-là. Qui est une robe VIP, mais qui vaut vraiment le coup parce qu'elle est sublime. Celle-ci aussi est pas mal, j'ai pris une de chaque. Et si vous n'êtes pas VIP, vous pouvez toujours prendre cette robe-là et changer les couleurs. Moi, je la verrais plus en noir, celle-là. Je suis assez classique, mais je trouve que le noir et blanc, ça reste quand même super joli. Et du coup, comme ça, elle est bien sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, il y a plusieurs pages. Il y a aussi ce masque. Ce masque qui est donc un spécial, pareil, VIP en calaveras. Mais qui est vraiment aussi, je trouve, très joli. Et je voulais l'assortir un petit peu à ma robe. Donc, je vais le mettre en noir et rouge foncé pour vraiment que ce soit les mêmes couleurs. Voilà, et je trouve que là, on s'assortit parfaitement. C'est qu'au début, je l'avais pris en bleu, mais je pense qu'avec la bleue, je ferai un autre look. Donc je vais acheter le masque et du coup ça fait vraiment un ensemble super sympa. Il nous fait un petit coucou. Et après il y avait d'autres hauts assez mignons. Bon, moi c'est surtout ces deux là que j'avais craqué. Vous savez que ce genre de robe je la trouvais pas forcément terrible. J'aime pas trop le fait qu'il y ait la petite queue de léopard. Là il y avait un polo mais qui était un petit peu transparent, j'étais pas fan. Celui-là je le trouvais plutôt basique. Pour moi c'est vraiment les premiers que je vous ai montrés qui étaient au top. Il y a cette petite robe là qui est pas mal sinon. Je pense que je vais la tester. Mais pareil je vais la mettre un petit peu en mode dark. En ce moment j'aime beaucoup le rouge foncé. Donc je pense que je vais utiliser pas mal cette couleur. Et après au niveau des nœuds, le blanc elle est plutôt bien. Parce que sinon ça va être presque transparent. Ou alors du rouge très foncé ou du rouge flashy. Mais je pense que je vais garder le blanc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits volants comme ça. Les boucles d'oreilles, etc. Je trouve que ça fait un petit peu ancien, un petit peu hippie. Je suis pas spécialement fan. La coupe de cheveux non plus, ça non plus. Et après on passe à un autre style. Donc voilà pour les rares un petit peu. Après à vous de voir ce que vous avez déjà ou pas. Je sais qu'il y en a qui font collection des rares. Donc dans ces cas-là, bah sauter dessus, hein. C'est vrai que c'est bien d'économiser du coup pour pouvoir en acheter et avoir des looks vraiment différents et vraiment uniques. Moi je pense que je vais m'arrêter là pour les rares. Je vais peut-être aller ouvrir quelques-uns de vos cadeaux parce que je vous avoue que j'arrive pas à les ouvrir tous. Ma chambre a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois. Il y a juste énormément d'animaux parce que je trouve ces petites boules juste trop mignonnes. Donc le dernier look, voilà, c'est celui-là que j'avais fait, mais c'est vrai que du coup j'avais gardé les yeux en bleu, et en rouge ça donne très sympa. J'avais aussi fait celui-là, la petite sorcière que j'ai fait en live hier pour ceux qui n'étaient pas présents. C'est les deux looks que j'ai fait et que je trouvais très sympa puisque ça faisait un petit moment que je m'étais pas connectée, et j'avais du rattrapage à faire au niveau des tenues. Donc voilà un petit peu les deux. On va créer un nouveau look du coup avec cette robe-là, que je n'avais pas encore utilisée, et avec le nouveau masque. Je vais changer les cheveux. Je vais changer les chaussures et les boucles d'oreilles et je vais voir ce que j'ai un petit peu en stock. Alors, on va éviter de se mettre une corne de licorne. C'est dommage qu'on puisse pas trier par couleur. Je regrette toujours ça avec MSP. C'est que des fois, on aimerait bien trier par couleur et c'est malheureusement pas possible. Est-ce que je commencerai pas par la coupe de cheveux? Parce que là, ça me fait bizarre de pas avoir de cheveux. J'aime bien. Alors celle-là, je trouve qu'on voit pas assez. Celle-là, ça irait bien, mais du coup, avec mon masque bleu. La coupe blanche, comme ça, sur le côté, un petit peu la One Again, j'aime bien. Oula. Ça fait très spécial, on dirait, je sais pas, qu'elle sort de l'océan et... Je sais pas, je n'adhère pas. Alors ça peut-être un peu trop sophistiqué. Le petit nœud est mignon, si on avait une robe rouge de la même couleur, ça pourrait être pas mal. Là c'est dommage parce qu'on voit pas le masque. Mignon aussi, mignon, avec les petites roses, ça donne un petit côté calaveras. Si je trouve des chaussures qui sont dans les roses, ça peut être super chou. Ah, je ne savais pas que j'avais des chaussures chacha minou. Alors en blanche comme ça, toute simple, c'est chou. Celle-là, ça aurait pu être sympa si on avait eu les couleurs, les mêmes couleurs. Je vais les traîner un peu parce que des fois j'achète des choses alors que j'en ai déjà. Celle-là aurait pu être sympa pareil si j'avais eu les lacets d'une autre couleur. Peut-être avec des chaussettes hautes, ça pourrait être pas mal. Alors... Bah les bottes.
Je partirais bien sur les bottes, et puis peut-être ajouter un accessoire ou deux. Si je mets des petits collants en dessous. Alors la paire de lunettes c'est en trop, on va éviter. La corne de licorne, pas trop de rigueur. Tiens, c'est quoi ça? Oh, un petit attrape-rêve va mettre sur les cheveux. Mignon. Non! J'ai perdu mes cheveux. Ça aussi, je déteste. C'est qu'ils te disent pas ce que tu sélectionnes. Du coup, des fois, tu perds tes cheveux. Rendez-moi mes cheveux. Celle-là était pas mal aussi. Hein. En blanc, j'aime bien. Je pense que je vais valider comme ça. Il me faudrait juste une petite paire de boucles d'oreilles ou un petit accessoire pour aller avec et ce serait parfait. Est-ce que... Alors, le nœud est trop clair. Les oreilles, non. Là, pour le coup, il nous faudrait quelque chose qui flash un peu dans les cheveux parce que tout à l'heure, on avait les roses qui étaient super jolies. Ça commence à plus ressembler à rien, là. C'est parti en cacahuète totale. Et là, du coup, j'ai carrément perdu mon masque. J'ai tout perdu. C'est la fête. C'est la grosse fête. On va revenir sur le début avec le masque. Rendez-moi mon masque. Merci. Les étoiles, c'était trop, mais la petite rose en collier, ça fait pas mal. Allez, on fait ça. Comme ça, ça donne un petit côté chachaminou. Ça change un peu. On va l'appeler Cutie. Voilà, ce mot n'existe pas. Mais comme ça, ça nous fait un petit look en plus. Allez, on l'envoie pour les votes, soyons fous. Ça fait la version longue, qui est juste en dessous. Et la version courte, un peu plus épurée, un peu plus mignonne. Comme ça, il y a deux styles. Alors, j'avais dit que j'allais ouvrir quelques petits cadeaux. Donc du coup, c'est ici. Et on va voir ce que vous m'avez réservé comme surprise. Je t'adore des Vovo. Un petit t-shirt avec un aigle. Une petite rose. Ah bah justement, c'est celui qui était dans les rares. Comme ça, j'aurai le tatouage. Une petite robe noire, simple mais efficace. Une petite robe avec un nœud rose très mignon. Une paire de lunettes de soleil. Wow. Ah, les cheveux blonds avec la petite pointe rose, c'est toujours bien. Mais alors, je sais pas si vous avez vu, mon rose est quasiment parti. Je suis dégoûtée, j'aurais aimé qu'il tienne jusqu'à la Paris Games Week. Et malheureusement, c'est plus du tout rose. Et d'ici là, je pense que je vais refaire une couleur ou quelque chose. Parce que j'aurais bien aimé avoir le bout des mèches roses pour la Paris Games Week. Hop, un petit top noir au calme. Des petites lunettes, un chapeau de Noël. Ah, on va bientôt, c'est bientôt Noël là. Quand on voit qu'ils sont déjà en train de préparer des choses pour Halloween, on se dit que là c'est vraiment bientôt Noël. Ils nous prévoient tout en mode super en avance, c'est ouf. Waouh, ça c'est du pantalon de fou. Va falloir que je le teste. Je crois qu'il n'y a plus trop de tissu là. Et voilà pour les petits cadeaux d'aujourd'hui. Et voilà, et du coup elle a un nouveau look. Alors je pense que je lui remettrai les cheveux de tout à l'heure parce que là ça fait un petit peu bizarre la tenue comme ça. Mais voilà pour aujourd'hui. Et pet, est-ce qu'il y a des nouveaux pet? Alors il y a des petits cadeaux qui se baladent. Mais est-ce que nous avons un nouveau pet? Un boomster ou un pet? Ça je trouve ça tellement mignon. Les petits dragons ils sont nouveaux là, je ne connaissais pas celui-là. Mais alors c'est très bizarre parce qu'on dirait mi-dragon, mi-poney, c'est très étrange. C'est pas mes préférés, hein. Je préfère carrément les boonies, là. Les boonies. Ceux-là. Oh, celui-là. Ok, je le prends. Allez, ce sera notre petit achat de la journée. Oui, j'ai acheté un nouvel animal. Il est pas trop mignon. Je vais le mettre à la maison après. Mais je le connaissais pas. Je pense qu'il y en a qui sont créés par période. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens dans ce magasin, il y en a des nouveaux. Il y en a qui sont tout le temps là. Mais il y en a, je les ai jamais vus. Par exemple, celui-là, je le connaissais pas. Celui-là, si, je crois que je l'ai déjà vu. Celui-là avec les petits bisous, oui, je l'ai vu. Même là, je crois qu'il y en a qui ont disparu et il y en a des nouveaux. Et bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite sur MSP et sur plein d'autres jeux. Ciao, ciao! I could stay like this, forever following you. Just